bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche, jour de soleil, jour où on est tranquille. Comme je le dis toujours, une petite bougie, vous voyez, comme cela suffit amplement à 11h30 le matin sur votre table de salle à manger ou de salon. Et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles, ça va nettoyer tous les côtés négatifs autour de vous-même, votre famille, vos proches. Alors, merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements. Merci pour être toujours aussi présent sur la chaîne. Franchement, c'est fort agréable. Et merci pour le soutien concernant ma chaîne anglaise, même si c'est pas encore parfait. Et je m'en excuse, mais déjà, c'est un bon démarrage, comme quoi dans la vie, il faut foncer et puis advienne ce que pourra. Alors, dans mes recherches et dans mon travail actuel, je vais beaucoup sur les chaînes américaines, comme ça vous vous doutez, pour mon anglais, il faut le retourner, parce qu'il y avait au moins 20 ans que j'avais pas parlé anglais comme ça, donc il faut y retourner plein pot, donc voilà, et j'ai fait des découvertes à titre personnel, hein, bien sûr, après chacun fait ce qu'il veut, au niveau du monde du bidon est tout en train de voler en éclats. Je vous en avais parlé, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo juste incroyable. Vous allez comprendre en quelques minutes. Et s'il vous plaît, les amis, soyez excessivement prudents sur les propos que vous prenez, que vous mettez dans les commentaires. D'accord? Je vais être obligée de regarder un peu plus près. Donc, ne soyez pas offusqués si je suis obligée de censurer, c'est pas ça, mais d'éliminer un commentaire parce que ça va trop loin. Là, parce que là, on va être sur la corde raide de ce que je vais vous dire et compagnie. On a des preuves aujourd'hui. Donc, rien ne va plus au monde du bidon, mais ça, vous avez commencé à comprendre. Alors là, les Sénats qui ne sont plus à l'heure au congrès, là-bas, au monde du bidon, ça n'a rien à voir avec chez nous. Hein. Oh là 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 là, ça va tout azimut. Ça va tout azimut contre l'administration de la baraque Afrique, comme dirait mon ami Agnès. Ou alors, concernant le bidon, tout ce qui s'est passé, etc., notamment les minorités dites agissantes, d'accord? Et vous allez comprendre parce que là j'ai assisté donc hier soir parce que j'étais invitée à boire le champagne chez trois amis à moi, Patricia, Nadège et leur maman Josie, et vraiment c'était un très très bon moment de convivialité. Je crois que j'ai un peu abusé du champagne, mais que voulez-vous, on a le droit de vivre aussi de temps en temps. Voilà, donc je vais quand même pas non plus me morfondre toutes les 30 secondes. Alors, donc qu'est-ce qui est en train de se passer sur ces minorités? On se rend compte que le woke qui n'a plus de isme a investi complètement des grosses entreprises, mais a imposé, par exemple, ben là on est rentré dans autre chose, c'est-à-dire qu'une personne qui pense une façon sur le plan de la religion, ben n'a pas le droit d'être pris, voyez-vous. Moi alors, qui suis libre, libre, chacun fait ce qu'il veut, moi ça ne me dérange pas. Là, ensuite, concernant la baraque Afrique, justement, donc aussi il y a des choses là, mais je vais aller voir ça de plus près tout à l'heure, concernant leurs cristaux, vous savez, qui a disparu dans 3 cm d'eau, enfin on peut le dire comme ça, et Michel, ou on l'appelle aussi le Big Mike, hein, vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, je vous en ai fait dans la bombe, voilà. Alors, il y en a qui disent, oui, mais on le savait, Chris, vous ne saviez pas son nom de code et vous ne saviez pas son véritable nom à la base. Excusez-moi, les hommes, j'ai le droit aussi, voilà. Donc, mais concernant, donc, il y a des vérités qui sortent contre le Big Mike, c'est-à-dire la Michelle, d'accord. Donc, sur ses façons de faire, apparemment, elle était très violente sur le plan physique, à savoir qu'elle mettait des coups de poing au personnel, voilà. Et pour finir, alors là, il y a beaucoup de choses contre le faux qui n'a plus de si. Vous savez, la sinistrose de la santé de l'époque, qui a foutu le camp aussitôt qu'il a senti que le navire était prêt à couler. Mais donc, il est aussi dans la tourmente. On a plein de collaborateurs qui sont impliqués dans la tourmente. Et on retrouve une minorité agissante. Vous savez, pour les gens qui ont la peau comme la mienne, alors faites attention comment on va dire les choses, parce que vous savez, c'est très compliqué, avait imposé aux parents qui ont la peau comme la mienne et aux enfants jusqu'à, en fait, de 5 ans et après, de reconnaître qu'ils étaient, que par leur couleur, ils étaient forcément na
point, point, zizi, c'est reconnu au Congrès que c'est en train de passer. Avec, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, où on leur imposait et de reconnaître qu'ils faisaient partie du K.K.K. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Donc, ben dis donc, moi pas du tout, et ces gens-là non plus. Donc, ils ont commencé à râler, à s'imposer, etc. Et là, c'est en discussion au Congrès, parce que là, quand même, ça va un petit peu loin. On se pose la question qui est vraiment contre qui dans cette histoire. Donc, comme on retrouve beaucoup ce genre de choses avec le woke qui n'a plus de isme dans notre contrée, donc ça va commencer à partir, de toute façon là-bas c'est fichu, hein, parce que tout part à volo avec le monde du bidon, grâce à ce congrès de Sénat qui est bien à l'heure, pour le coup eux, et je pense à un Sénat qui est bien à l'heure, c'est le sénateur Kennedy, que j'écoute beaucoup en ce moment, parce qu'il est très sensé, ce monsieur, vraiment très très bien, c'est très très agréable. Donc on va aller voir juste incroyable, est-ce qu'on va sortir tout, parce que là tout est en train de sortir, parce que ça a commencé avec l'administration de la baraque à frites, et voir, j'aime bien ce terme la baraque à frites, je trouve que c'est très intelligent, merci mon Agnès. Et on va aller voir ensemble comment ça va se passer, parce que là je vous promets ça dégringole, mais vous n'imaginez pas à quel point. Voilà. Et je vais vous dire, les amis, je remercie, alors, excusez-moi, je vous fais une petite confidence, je remercie infiniment tous les gens qui me sont rentrés dans l'art, alors, excusez-moi, je vais dire avec beaucoup d'humour, ces derniers temps, ça m'a donné une telle pêche, c'est comme ça que j'ai ouvert ma chaîne en anglais, parce que c'était pas prévu du tout, et finalement, ça me donne encore plus de pêche, parce que du coup, je vais en avant avec des choses beaucoup plus intelligentes et intellectuelles que le bas étage, voyez-vous, donc comme quoi, faites comme moi. Quand on veut vous éliminer de la scène, ben, rebondissez et reprenez les fers de l'os et allez de l'avant et vous verrez que ce sera... Par contre, il faut couper les portes, hein, vous fermez les portes et vous rebondissez. Ça, c'est un conseil d'amis parce que bien souvent, c'est encore mieux. Et puis en plus, je vais vous dire sincèrement, les amis, actuellement, j'ai beaucoup de mails des États-Unis, de gens, Insta aussi, Instagram, de gens tout à fait bien posés, sur Twitter aussi, enfin X on dit maintenant, sur X également, qui me contactent par ce biais-là. Donc merci, merci, parce que grâce à ça, je rebondis. Allons voir ensemble, donc, juste incroyable, est-ce que ça va aboutir toutes ces trucs, parce que vous imaginez pas tout ce qui est en train de se passer au monde du bidon, je crois que ça vous ferait bien rigoler, et concernant le Donald, on se rend compte qu'ils ont vraiment inventé des choses. Ah oui, ça va vous rappeler. J'ai vu aussi une nana dans la tourmente, d'ailleurs ils l'ont traitée de folle, qui avait mis un tweet par lequel, enfin je ne peux pas vous dire son nom à elle, mais qui avait mis un tweet comme quoi, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que là, ça va beaucoup trop loin. Mais il fait des trucs comme quoi contre nous, hein, tout simplement, qu'on n'avait pas droit à l'existence et compagnie. Donc là, on était vraiment dans quelque chose de particulier. C'est très grave. Hein. Donc voilà. Donc je remercie tous ces gens. Mais là, vous allez voir si ça va exploser ou pas. Attendez, j'avance mes cartes vers vous. Voilà. J'étais un peu longue aujourd'hui à discuter, mais j'aime bien blablater avec vous. Et comme dirait Jérôme Envoyant, je suis proche de ma communauté. Oui, j'aime ma communauté, je vous adore. Et ce ne sont pas des mots en l'air, parce que quand des gens disent « Oui, on vous raconte ça, mais c'est pas vrai, c'est faux. » Parce que je suis tout à fait consciente, si vous n'étiez pas là, ben, je serais pas là tout simplement. Donc c'est un véritable honneur que de vous recevoir, bien évidemment, sur cette chaîne. Et c'est grâce à vous, d'ailleurs, ça me donne du punch pour aller de l'avant, parce que j'ai d'autres projets qui arrivent maintenant. Donc, c'est très très bien, quoi, voyez-vous. Alors, dites-moi tout simplement, je voudrais savoir, juste incroyable, parce qu'on s'aperçoit vraiment que ce woke qui n'a plus de isme au pays du monde du bidon a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et on se rend compte, parce qu'il y a eu une espèce d'enflure, une vieille peau, un mec, là, qui disait... oui, mais on leur repose sur l'habit d'avoir un arc-en-ciel. Ben, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. Et ils ont viré des gens parce que...
Ah oui, ils n'avaient plus le droit. Ah oui, oui, dans l'entreprise, excusez-moi. Ils n'avaient plus le droit de dire bonjour madame, bonjour monsieur. D'accord, c'était interdit. Voilà. Donc vous voyez, on ne sait plus dans quel. Moi, je prends la liberté, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi, ça ne me dérange pas. Mais après, à un moment donné, quand ça va dans la dicta, on rentre dans une dicta. Hein. Alors à ce moment-là, c'est autre chose, quoi. Vous voyez ? Allez, on se lâche. Alors, au moment du bidon, parce qu'après, il faudra voir si ça vient chez nous. Bien évidemment qu'on arrive à se débarrasser de nous imposer toutes ces bizarreries. Hein. Voilà. Concernant le dar.ma, vous allez bien entendre ce que j'écoute. Je vais vous dire, c'est un code. Le dar.ma, point, point, le louche. Qu'est-ce que je vous dis? Point, 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 ta, point, qui. Point, point, ya. On est clair? Voilà. Je pourrais pas le dire autrement, il fallait que je vous le dise, mais je ne savais pas comment, puisque c'est ce que j'ai vu, effectivement. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, actuellement, la populace du monde, du bidon, en a ras-le-bol, plus que ras-le-bol de cette administration. On va se rendre compte que des choses ont bien été mises en place, c'est bon. Je vous annonce très sincèrement, avec beaucoup d'amour et d'humour, que c'est la fin de l'administration de la baraque à frites, puisqu'on sait que la baraque à frites était avec le bidon. Donc, eh ben, écoutez, ils mangeront des boules, hein, sans frites. D'accord? Voilà. Tout simplement, donc pour moi, déjà d'entrée de jeu, ils vont passer sur le grill tous les uns après les autres. Le bidon, certainement pas, il n'y a plus de cerveau. Ben, c'est de la purée de moule, hein, voilà. Ou d'huître. Enfin, j'appelle ça comme vous voulez. C'est changement radical. Changement radical, on se rend compte que ça y est, donc c'est ce que je vous avais annoncé, parce que, ah oui, 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 excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, il y avait aussi un groupuscule de personnes pour tout ce qui était fake news, vous commencez à comprendre? Voilà, où il fallait complètement démontrer qu'il y avait des fake news, donc c'était faux, d'accord, par rapport à ça, et démonter toutes les vérités en disant que c'était des fake news. Ça vous rappelle pas notre pays, tout ça? Voilà. Eh ben, c'était là-bas. Donc, maintenant, c'est prouvé. Et ce qui est prouvé là-bas, ce qui se passe là-bas va arriver chez nous de la même façon. D'accord? Pour tenter, ben, le Thierry, vous savez, la crêpe bretonne. Voilà, avec son vol au vent au-dessus de la tête. Ben, voilà. Donc, on y est bien. Lui devra rendre des comptes plus tard, hein, avec la momie du Havre. Ils devront tous les deux rendre des comptes, je sais, sur le plan judiciaire. Bon, écoutez, pourquoi pas avec leur entreprise, c'est la même entreprise entre les deux. Donc ici, il y a bien un projet de la colère de la populace. Il y aura bien une action. Et là, je peux vous dire que ça va rebondir au niveau international. Vous entendez bien? Que ce qui se passe là-bas va rebondir jusque chez nous. Donc, ce qui comptait sur moi, les amis, comme je suis obligée quand même de travailler mon anglais, je vous ramènerai quelques vérités ou quelques news croustillantes qui vous feront plaisir, bien évidemment. Comme ça, vous en comprendrez un peu plus le sens. Donc, ce qui est en train de se passer là-bas, c'est que la populace est en train de se réveiller sérieusement, que tout ce qui est dit contre le Donald actuellement est totalement faux, perfide. Voilà, on se rend compte aussi, ah oui, 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 c'était le 6 janvier, je sais plus quand là, vous savez, quand on a accusé le Donald, c'était quoi, qui voulait envahir le capi qui n'a plus de toll, d'accord, ben on se rend compte qu'à l'intérieur, il y avait le F.B.I, d'accord, donc là aussi, ça sort au niveau du congrès. Je me gausse, donc ici, colère de la populace, je vous le dis, en vérité, je vous l'ai dit, d'accord. Et là, rien ne va plus au monde. De toute façon, c'est la baraque à frites qui va avoir des sérieux problèmes là. Parce que dans un premier temps, vous savez, quand le cuistot est décédé, ils ont dit mais on n'était pas sur l'île. En fait, ils y étaient vraiment. Ah oui, mais on n'était pas dans la propriété. Voilà, d'accord. On commence à comprendre. On nous prend à nouveau pour des truffes. Ah, voilà. Donc, retournons au monde du bidon, qui m'annonce sincèrement qu'il va y avoir une rupture totale avec ses administrations de crotte de bique, et me disent également ici, que tout ce qui était écrit ressort.
Donc, nous avons le sénateur, je pense le sénateur Kennedy, parce que j'apprécie vraiment le personnage et quelqu'un de sensé, tellement intelligent. Ça ferait plaisir d'avoir des gens comme ça chez nous, au lieu de gens intéressés. Mais là, donc tous ces gens-là vont faire ressortir toutes les vérités au niveau de la populace, au monde du bidon. Ce sera un changement radical, pourquoi ? Pour ce monde de frappadingue et de ce monde de fou. Je rappelle également dans mes visions passées que le woke n'a plus d'éisme. À un moment donné, tout va partir à volo. On est clair ? Et plus personne ne pourra les accepter parce que ça sera plus possible. Disons que le problème, c'est que il y a de la tolérance, mais il faut de la tolérance de partout, vous voyez. Il faut qu'il y ait un lien. Et là, actuellement, on fait des rapports de force. D'ailleurs, je vais être clair avec vous, vous ne le savez peut-être pas, cette entreprise dont je viens de vous parler juste avant, vous savez, avec l'arc-en-ciel forcé avec un cœur, c'était la symbolique de l'entreprise, ils appelaient ça woke force. Woke, vous avez compris pourquoi, et force, vous avez compris pourquoi, d'accord? Donc, on imposait. Bon, moi je veux bien, mais il y a des limites aussi où les gens au niveau individuel doivent être aussi respectés. Enfin, moi je suis pour le respect, hein, d'accord? Je suis pour le respect et dans la bienveillance à partir du moment où on ne fait pas de vacheries. Si on fait des vacheries, je ne vais peut-être pas être dans la bienveillance. Hein. Vous ne croyez pas? Pas vous? Ben, je vous invite à ne pas vous laisser faire. Alors, là-bas, nous allons nous rendre compte qu'énormément d'argent sont passés par des principes de justice pour faire profit à certains popolili, titi, que de peu de scrupules. Je pense au bidon, à la baraque afrique. Mais pas que, d'accord, on va s'en apercevoir, on sera au courant. Donc il y a une grande procédure, et vous le saurez, parce que ça va être mondial, contre ces sbires, où on va prouver qu'il y a eu de l'escroquerie, au fond de chouchole. Et le projet, je vous l'annonce, sera bien mis en place pour mettre au devant de la scène ces gens et devant s'expliquer, devoir s'expliquer. Je vous ai parlé dans le passé que je voyais beaucoup de gens, notamment au pays du bidon, partir en vrille. Hein, partir en vrille. Donc, il n'y a pas que chez lui, il y a chez nous aussi. Hein, d'accord, on est bien clair sur le sujet. D'ailleurs, Oni, qui n'a plus de gère, je vous rappelle que l'ambassadeur de notre beau pays a été mis dehors. Ensuite, plus tard, alors c'est pas pour tout de suite, plus tard. Donc, ah non, il y a eu un blocage dans la communication par rapport à ces finances qui ont été délivrées à ces groupes, d'accord, de gens de minorités dites agissantes, d'accord. Il y a bien de l'argent qui a bien été passé de la part de gros lobbies. Ben, on a appris notamment que le fameux Elon de X avait porté plainte contre le sort, enfin le groupe, le sort qui n'a plus d'os. Voilà, mais je vous dis, c'est en train de partir en vrille, d'ailleurs, tout comme à la peste aux étoiles, où ils sont en train, les cachalots, là-bas, à la commission, j'entends, hein, à la commission de la peste aux étoiles, sont en train de se bouffer le foie, la rate et le fromage. Oui, le popotin. Voilà. Oui, je sais, c'est peut-être un monster. Enfin, il y en a qui aiment le monster, moi, je suis pas fan. Voilà, donc, bricaton, alors là, pour le coup, ça nous parle de Bricaton va avoir la trouille parce qu'il a peur d'un boomerang. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit, je ne sais plus dans quel journal, je ne sais rien. Et il dit le tout et son contraire en 30 secondes. Enfin, franchement, c'est du n'importe quoi. Voilà, ben écoutez, je vous ai dit que le Dharma, ben, ni rien n'irait plus avec Bricaton. Apparemment, c'est parti pour se taper sur la poire avec ses collègues. Bon, on va bien se marrer. Il faut vous marrer, les enfants. Buvez le champagne, buvez le pastaga, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir et buvez-le à ma santé. Donc là, nous avons un projet que Bricaton a la trouille du retour dans son carmagnole. Vive le vent. Non, c'est quoi? Vive le... Je sais plus quoi. Le vent? Non, c'est pas le vent, c'est autre chose. Enfin, qu'importe. Dansez la carmagnole. Et vous serez heureux, voyez-vous, voilà. C'est pas l'autre imbécile qui a dit, vous ne posséderez rien, vous serez heureux, là, le wow, et sa fille Nicole, d'accord, il faudrait lui
il faudrait l'inviter à planter des asperges, comme ça, ça la calmerait, et on serait tranquille, vous lui apprenez à faire la béchamel, et c'est une bonne chose, et on est tranquille. Oh, pardon, excusez-moi, c'est une blague, lunette, voilà. Donc, de l'action dans ce monde des ennemis, il va y avoir de l'action. Donc, il va y avoir de la communication, il va y avoir de l'action au pays du bidon, mais qui va revenir chez nous, bien évidemment, contre cette entreprise diabolique. D'accord? Luc qui n'a plus de roi, mais enfin, les ailes qui n'ont plus de ski, il y a des gens qui te disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, Chris? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, voilà. Là où il y a Poupou, voilà. Ben, c'est tout ça, cette entreprise, c'est ni plus ni moins, pour tenter de disperser le bougeon, j'allais dire. De disperser la vue de ce qui se passe au monde du bidon, et de nous faire croire à une guerre internationale. D'accord? En fait, c'est ni plus ni moins pour masquer leur délire satanique. D'accord? Mais là, apparemment, ça sort. Pour ça, je vous dis, faut pas vous affoler, les amis. Vous prenez comme c'est. Je suis d'accord avec vous. C'est pas toujours facile. Mais moi, je prends les choses avec beaucoup de légèreté aujourd'hui, parce que j'ai compris leur cinéma. Voilà, et puis l'autre, alors, le Dharma Lelouch qui est parti, hein. Oh mon Dieu, il a les dents qui rayent le parquet, celui-là. Bon, alors, non-communication, donc, là, ça parle le Big Mike, vous savez, la femme, enfin, la chose du baracaprite, d'accord, elle va se prendre le pied dans le tapis, là, il y a des choses qui vont sortir, et elle va essayer de se défendre, ça me dit clairement, mais elle n'y arrivera pas. Je vois la personne avoir beaucoup de problèmes sur le plan judiciaire, juridique, et que cette histoire, parce que du temps de Hillary, vous savez, celle qui n'a plus de cli-cli, vous voyez ce que je veux dire, tonton, donc automatiquement, ça va ressortir parce qu'il y a un autre cuistot qui avait des problèmes avec cette famille-là, et qui est mort dans les, pas dans les mêmes circonstances, mais noyé, voilà. Donc, en 2015, je crois. Donc, il en savait trop, et il fallait s'en débarrasser. Voilà. Donc, écoutez, ça continue. Je pense qu'on va bien rigoler, parce que tout ce qui se passe là-bas revient vers nous. D'accord? Comme un boomerang. Comme un ouragan. C'était Stéphanie de Monaco. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, tous les escrocs qui sont là-bas, d'accord, au monde du bidon, qui ont tenté de faire du mal à la populace, parce qu'aussi le fils-fils est dans la tourmente avec le mode qui n'a plus d'Erna, toujours au congrès, d'accord, parce qu'ils doivent s'expliquer, voilà, ils doivent s'expliquer, mais il y en a qui refusent de s'expliquer, donc ils ont rendu des comptes à rendre. N'oubliez pas, j'insiste sur le fait que le mensonge au pays du bidon est considéré comme un crime. Donc, rupture totale, je vous le dis, entre ces choses, je pense qu'ils vont avoir de sérieux problèmes. Je pense qu'ils vont avoir de sérieux problèmes physiques, hein, j'entends, au niveau de la baraque afrique, du bidon et toute la clique. Là, parce que je vois, apparemment, tout va mal pour eux. D'accord? Donc, tout va mal, et que tous ces gens de minorité dite agissante vont vraiment avoir la loi contre eux et devoir rendre des comptes. D'accord? Voilà. Le problème de cette minorité, c'est qu'ils avaient même fait au niveau des sénateurs locaux, là-bas, enfin, au pays du bidon, ils avaient décidé quel sénateur avait le droit de vie ou pas de vie. Bon, on va faire attention à comment on dit les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont tombés là-dessus. Dis, amusez-vous, juste incroyable, c'est juste incroyable ce qui s'est passé et ce qui est en train de sortir de là. Le sort qui n'a plus d'os, et là, ça me dit, ils se posent la question comment ils vont s'occuper de ces gens-là. Ben, rien ne va plus. Rien ne va plus. Pour, pas que le bidon, je veux dire, ça va tout sortir, c'est juste incroyable ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez avoir sur la table toutes les révélations, notamment de cette officine, on va parler d'officine, d'accord, qui voulait dire contre les fake news, contre ce qui était faux, ça vous rappelle personne? Voilà, en fait, c'était que des inventions, on inventait des choses pour discréditer les gens. Vous marquez ça, je viens de le vivre, voilà,
Donc, ça, c'est clair qu'on fait n'importe quoi pour discréditer les gens et inventer des preuves qui n'existent pas. C'est ce qui, vous inquiétez pas, le vol au vent, là. Comment on peut le boucher à la reine, boucher à la reine, le Thierry la Bretonne, voilà. Boucher à la reine, voilà ce qu'il veut dire. Il a les cuisses de poulet. Bon, ici, donc, je vois une fin de cycle annoncée, une fin de cycle totale de ces administrations de crottes de bic. Donc, c'est bien ces administrations qui régissaient le pouvoir financier. Et là, le déséquilibre, c'est la fin. Voilà, il y aura une autre façon, une autre vision des choses. C'est pour ça, à chaque fois, je vous ai dit, les amis, 4 ans. Parce qu'il faut 4 ans que tout sorte et tout soit remis sur la table. Ça ne veut pas dire... Alors, les amis, si vous êtes malheureux, c'est... Alors, je ne veux pas dire, il y a des gens qui sont malheureux dans la vie, ils sont handicapés, ou il y a des raisons plurielles pour cela. Mais il faut essayer, ben écoutez, ça ne va pas bien, vous prenez un coup de rouge, quoi. Et automatiquement, ça va mieux. Vous comprenez, voilà. Alors c'est pas les moyens de picoler un coup de rouge, mais aller voir le voisin et dire j'ai pas les moyens, j'ai envie d'un coup de rouge. Il vous offrira un whisky, voilà. Donc excusez-moi, je suis un peu radicale, mais ça c'est la réalité. Donc au niveau local, donc là-bas, c'est pas encore prêt, mais ça va venir à l'international. Donc chez nous, donc ici, on va se rendre compte qu'on se fait avoir. Entre les écolos et le reste de la troupe de la presse aux étoiles, qu'on s'est bien fait berner pour des raisons financières, parce que ces minorités dites agissantes ont piqué le pognon. Vous entendez bien, ils ont piqué le pognon chez nous aussi également, puisque ça ressort ici, ça va revenir chez nous après, et même... Ce flin souhait de Rome aura des problèmes parce qu'on va se rendre compte de la mafette.fi.a et il va y avoir de grosses révélations concernant ce pop. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire concernant Juste Incroyable. Donc pour ça quelque part, ce qui se passe là-bas va revenir, rejaillir chez nous bien évidemment. Et de toute façon le bricaton va se faire virer de partout dans le monde. Ça, vous avez vu ce qui se passe avec les briques, vous avez vu ce qui se passe à droite et à gauche. Ne désespérez pas, d'accord. Autre chose aussi, je vois aussi beaucoup de problèmes en Espagne, j'ai pas arrêté de vous le dire. Apparemment, j'avais raison quand je vous ai dit que les gens de chez Poupou, les Luc qui n'ont plus de droit à acheter beaucoup de maisons en Espagne, j'avais raison puisque ça arrive maintenant. Voilà, ça arrive maintenant, ben écoutez, après chacun le voit, je suis bien en France. Je suis bien dans mon petit village avec mes amis extraordinaires, enfin mes voisins, enfin tout ça, c'est l'apothéose. Voilà, je vous fais de gros bisous tendres, on se retrouve demain pour d'autres aventures, surtout ne soyez pas sages, vous en collez une au premier qui vous embête, et dites-vous bien, c'est que si on vous met plus bas que terre, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bien, il faut rebondir, fermer les portes avec tous ces gens qui vous mettre à mal, c'est obligatoire, et après vous rebondissez et vous prouvez à vous-même, le restant s'en tape, que vous êtes quelqu'un de merveilleux. Voilà les amis, gros bisous tendres, à demain pour d'autres aventures. Bye.